Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser cette très jolie petite tenue de Mère Noël au crochet. Donc celle-ci, elle convient parfaitement pour un petit bébé de 3 mois, voire même un petit peu plus, parce qu'elle est vraiment très extensible. Hop, donc voilà. Donc pour la réaliser, j'ai utilisé un petit peu de noir, deux pelotes de rouge, donc pour la taille 3 mois. Ensuite, pour un petit bébé de naissance à 1 mois, à mon avis, il vous faudra à peine une pelote et demie. J'ai utilisé un petit peu de blanc et vraiment, mais alors légèrement, un tout petit peu de jaune parce que c'est vraiment juste pour la petite boucle de ceinture qui est juste ici. Hop, voilà. Donc pour la laine. Ensuite, j'ai utilisé un crochet numéro 4. Des boutons, donc pour celui-ci j'ai mis des pressions, mais pour le tuto je vais prendre des petits boutons à coudre, une paire de ciseaux et une aiguille à laine. Il vous faudra aussi pour coudre les boutons du fil et une aiguille adaptée à la couleur de votre projet. Celui-ci je vais vous le mesurer parce que je n'ai pas de bébé sous la main et il est c'est vraiment pas évident pour moi de vous dire exactement la taille à laquelle il serait adapté pour moi visuellement 3 mois. Maintenant en hauteur jusqu'au bas de la culotte, vous voyez, il fait 33 cm. Hop, le cou, on a hop, 10 cm et jusqu'au bas des manches, vous voyez, 27. Et ici, on a 21 cm. Pareillement, celui-ci, je l'ai réalisé avec, vous voyez, une sorte de petit body, pour que ça fasse comme un petit body. Maintenant, si c'est pour un enfant adapté, je vais vous donner des mesures, des détails sur mon groupe Facebook, Les Aiguilles d'Émilie. Je vais vous noter, et en barre aussi, juste tout en bas de la vidéo, je vous mettrai aussi les mesures de la naissance, et on peut vraiment aller jusqu'à 3 ans. Voire même plus. Après, je pense pas qu'on va réussir à porter une robe au crochet à une petite fille de 6-7 ans. Mais voilà, c'est juste pour... Vous n'êtes pas obligé de vous voyez de faire la culotte en dessous. Moi, j'ai repris à partir... Donc, j'ai monté mon body et ensuite, j'ai fait la jupe. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous faites le haut et qu'arrivez ici, on rattache les bras, vous voyez. Hop, comme ceci. Moi, après, j'ai fait un rang de bride normale et ma ceinture. Là, ce que je veux dire, c'est qu'à partir de la ceinture, on la rattache au body. Mais sinon, on peut le faire vraiment comme une robe normale. Et pourquoi pas faire une jolie petite robe de Noël au crochet pour vos enfants, vos petits-enfants, etc. Donc voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour le tuto. J'ai oublié de préciser aussi que vous allez pouvoir retrouver la box pour réaliser cette petite tenue. Donc sur ma boutique en ligne, les aiguilles d'Emily, myshopify.com, donc je vais vous l'afficher juste ici. Donc pour l'instant, je n'ai vraiment pas beaucoup de sortes de laine et on me fait souvent la réflexion. Mais c'était vraiment pour moi un but de me mettre à mon compte. Mais il faut savoir aussi qu'à côté, à mon domicile, je fais énormément de choses comme de la couture, du repassage, etc. Et que je voulais démarrer la boutique parce que je suis passionnée par le tricot et le crochet depuis très longtemps. Mais c'était vraiment important pour moi de commencer avec un petit stock et de me dire, voilà, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, comment ça va se passer, plutôt que d'envahir ma maison avec un énorme stock de laine et que ça ne marche pas, j'ai vraiment voulu essayer. Donc on me fait souvent la réflexion, c'est nul, il n'y a pas beaucoup de sortes, mais j'ai voulu mettre voilà des laines de base, mais sachez que très vite, mais vraiment ça va arriver assez vite, je vais rajouter des autres sortes de laine. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire quel style de laine vous aimeriez voir sur ma boutique par exemple. Allez faire un petit tour sur ma boutique, je vous demande pas d'acheter, juste aller faire un petit tour et de me dire voilà, moi ce que j'aimerais c'est telle laine ou telle laine. Et sachez qu'il y a énormément de sortes, que je peux faire des précommandes. Le problème c'est que ça va à partir de 195 € et je voulais pas trop proposer des précommandes parce que je trouvais pas ça vraiment génial. Donc du coup je me suis dit que en plus j'allais ajouter des box pour réaliser des tutos,
Donc voilà, c'est pas un prix excessif, j'inclus juste le matériel nécessaire, je ne prends pas de marge, rien du tout. J'inclus le prix nécessaire et voilà, c'était je trouvais ça sympa pour moi de faire des petites box. Donc vous allez en trouver deux pour l'instant. Donc une pour un gilet et une pour mes tutos. Mais je pense qu'au fur et à mesure que je vais faire des tutos, si cela vous convient, proposer des petites box. Donc voilà. Je vous ennuie pas plus, c'était juste un petit point qui me tenait vraiment à cœur. Et voilà, on se retrouve tout de suite pour le début du tuto. Donc, pour commencer cette petite robe, on commence par le col. Et là, ce que je vais faire avec mon crochet numéro 4, hop, je vais venir faire un nœud coulant, comme ceci, et monter avec 41 mailles en l'air. Je ne vais pas le refaire entièrement, je vous explique. Je vais juste monter un petit bout pour vous montrer. Parce que vous allez voir, il n'y a rien de compliqué et que ça se monte vraiment tout seul. Donc, je vous montre vraiment jusqu'au niveau des manches et après, je vous montrerai vraiment le point de base. J'ai mes 41 mailles en l'air. Maintenant, ce que je vais faire, c'est monter avec 3 mailles en l'air de plus. Et je vais venir piquer dans la cinquième. Et juste ici, je viens faire une bride. Et maintenant, j'en ai deux. Je vais continuer jusqu'à en avoir 6 au total. J'ai mes 6. Dans la suivante, je viens faire une bride, deux mailles en l'air, une bride. J'ai ma première augmentation, maintenant je viens faire cette bride. J'ai mes 7, dans la suivante, je viens refaire une augmentation, une bride, deux mailles en l'air, une bride. J'ai ma manche. Maintenant, on va faire 11 brides pour le dos. J'ai mes 11, dans la suivante, je refais une augmentation, une bride, deux mailles en l'air, une bride. Ensuite, je refais ma manche, cette bride. J'ai les 7 dans la suivante, une augmentation, une bride, deux mailles en l'air et une bride au même endroit.
Maintenant, je viens faire les 6 mailles restantes. Les 6 brides restantes, pardon. Donc voilà ce qu'on obtient pour le premier rang. Maintenant, on va répéter exactement la même chose, vous voyez, jusqu'à avoir au total 8 augmentations. Donc, jusqu'à ce que ça fasse 8 petits trous juste ici. Donc, on monte avec 3 mailles en l'air. Je retourne mon travail. Et maintenant, je vais faire des brides individuelles partout jusqu'à arriver à ma première augmentation. Maintenant, je suis dans l'augmentation, je fais une bride, deux mailles en l'air, une bride. Et je continue ainsi jusqu'à la fin de mon rang. Je fais mes brides individuelles. J'arrive à mon augmentation. À l'intérieur, je fais une bride, deux mailles en l'air, une bride. Et ça, je vous laisse le répéter jusqu'à la fin de votre rang. J'arrive à la fin de mon rang et là, ce que je vais faire, c'est venir piquer dans la troisième maille en l'air de départ. Je monte avec 3 mailles en l'air et je vais exactement répéter ce même principe, comme je vous l'ai dit, jusqu'à avoir au total, vous voyez, 8 augmentations. Il faut que ça fasse 8 petits trous. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà. Donc, je vous laisse continuer ainsi et on se retrouve à la fin de la 8e augmentation pour réaliser la suite de la petite tenue. Donc voilà, j'ai fait 6 augmentations, donc je vous laisse aller jusqu'à 8. Moi, c'est juste pour vous montrer en fait, comme je l'ai déjà réalisé une fois. Donc voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est monter avec 3 mailles en l'air. Donc admettons que j'ai mes 8 augmentations, maintenant j'unis mes manches. Donc je monte avec mes 3 mailles en l'air. Et ce que je vais faire, c'est faire des brides simples jusqu'à ma première augmentation. J'arrive à ma première augmentation. Je vais prendre la première et la deuxième, vous voyez, hop, comme ceci. Et je vais venir faire une bride qui unit les deux augmentations. Ensuite, j'ai ma première manche de formée. Ensuite, je continue. J'ai pas visé exactement dans le trou. Donc, je fais ma bride, voilà. Ensuite, je continue en bride simple jusqu'à là, arriver à mon augmentation pour refaire exactement pareil et former la deuxième manche.
Donc j'arrive à mon augmentation. Et je vais refaire exactement le même procédé qu'à la première. J'unis les deux augmentations ensemble avec une bride. Et je finis le devant de ma robe en bride simple. Le dos, pardon, l'ouverture est dans le dos. Je pique. Comme ceci. Non, je pique pas les trois mailles en l'air. Donc je pique sur la troisième maille en l'air de départ et ensuite je viens unir hop, une, deux, trois à la troisième maille en l'air du rang précédent et je fais une maille coulée. J'ai uni ma robe. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça peut faire une taille naissance un mois. En regardant bien. Ça pourrait presque le faire. Donc voilà. Maintenant, je vais faire un tour de bride individuelle. Vous voyez, tout le tour, sans augmentation, sans rien. Je vais juste venir faire mon tour de bride normalement. Donc je monte avec trois mailles en l'air. Et je fais tout mon tour. Hop, comme ceci jusqu'à la fin de mon rang. Donc je vous laisse faire des brides individuelles et on se retrouve à la fin du rang. Donc je suis arrivée à la fin de mon rang. Maintenant ce que je vais faire c'est venir piquer dans la troisième maille en l'air de départ. Donc vous voyez, une, deux, trois. Mais je ne vais pas unir avec le rouge, je vais unir avec le noir. Hop. Donc je pique dans ma troisième maille en l'air, je prends mon fil noir et je viens unir. Ensuite je fais un nœud avec mon fil rouge. Que je serrerai un petit peu plus après, voilà. Maintenant ce que je vais faire c'est venir réaliser la ceinture de l'ensemble. Donc ça se fait sur trois rangées de noir, entre 2 et 3, ça dépend de l'épaisseur que vous souhaitez. Donc on monte avec 3 mailles en l'air et on va la faire en point élastique. J'ai oublié de vous préciser pour un rendu un peu plus joli, j'ai décidé de faire un petit point élastique. Donc le premier rang des brides normales, je prends mes deux autres fils dans la main gauche et je vais les cacher au fur et à mesure. Ensuite, vous pouvez couper votre fil. Donc, je vous laisse faire ainsi jusqu'à la fin de votre rang. On va faire un tour de bride individuelle. Donc j'arrive à la fin de mon rang. Maintenant ce que je vais faire c'est unir une, deux, trois à la troisième maille en l'air de départ. Maintenant je vais commencer mon point élastique. Vous voyez? Donc je monte avec trois mailles en l'air et ce que je vais faire c'est venir envelopper la suivante par devant. Celle d'après je l'enveloppe
par derrière, la suivante par devant, celle d'après par derrière, et ainsi de suite jusqu'à la fin de mon rang. Donc je vous laisse continuer ainsi jusqu'à la fin de votre rang et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, vous voyez, j'ai fini mon rang de points élastiques et vous voyez, c'est exactement la même taille que ce que j'avais réalisé à côté. Donc maintenant, ce que l'on va faire, hop, vous voyez bien, c'est reprendre en rouge. Mais maintenant, c'est là que on va faire différemment. Si vous souhaitez une robe, donc je veux dire sans le body, donc sans la culotte en dessous, je vous laisse reprendre à la fin du tuto, mais de toute façon c'est pas bien compliqué. Là vous allez unir avec le fil rouge et ensuite vous allez faire deux brides normales, une en relief, deux brides normales, une en relief par devant. Vous voyez toujours le relief par devant et ce sera ça tout le tour. Deux normales, une en relief, etc. Pour le rang suivant, vous allez faire pareil. Deux normales, une en relief. Ensuite, vous allez en faire trois, une en relief. Ensuite, quatre, une en relief. Et ça s'arrêtera à quatre. Vous allez faire, vous voyez, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Au total, dix rangs de points. Et ensuite, on va faire trois rangs. Donc, vous allez unir le rouge avec le fil blanc. Et vous allez faire 3 rangs de demi-brides, 3 à 4 rangs. Et ensuite, on fait les manches. Maintenant, si vous souhaitez, comme pour celle-ci, réaliser, vous voyez, donc là, il y a la couture du jaune, ça se voit un petit peu. Si vous souhaitez réaliser la culotte, donc comme ceci, là, vous allez continuer. Donc, on va unir en rouge et on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 rangs de brides normales. Ensuite, ici, moi, vous voyez, j'ai fait un petit peu trop court. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de plier en deux. Hop, vous voyez, là, on a une bride. Moi, je fais ça là sur le côté, je laisse toujours une bride. Et vous allez compter 1, 2, 3, et à la troisième, mettre un marqueur. Vous allez continuer, et de l'autre côté, c'est exactement pareil. Hop, vous prenez la bride qui est sur le côté, 1, 2, 3, un marqueur. Vous faites pareil de l'autre côté, et ensuite, on va réaliser la partie de la culotte. Donc, pour celles qui veulent réaliser une robe, je vous laisse continuer comme je vous l'ai expliqué avec le point. Et pour toutes celles qui voudront réaliser la culotte comme moi, c'est par ici. Donc, je viens couper mon fil noir. Hop. Que j'enlève. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est venir unir avec le rouge. Je prends mon fil rouge, 1, 2, 3, et je viens unir. Je fais 3 mailles en l'air, et maintenant je vais faire 10 rangs de brides normales. Donc je ne vais pas faire les 10 avec vous, hein. J'en fais un ou deux juste pour vous montrer. Donc je cache mon fil dans la main gauche en même temps, surtout je fais un nœud avec le fil rouge et le fil noir et je les cache en même temps.
Donc, je vous laisse réaliser vos 10 rangs de brides individuelles et on se retrouve pour la culotte. Donc, voilà. Donc, admettons que j'ai fait mes 10 rangs de brides, vous voyez, pour la culotte. Je vais faire la forme du cache-couche. Donc, c'est vraiment un admettons, c'est vraiment pour vous montrer. Donc, je monte avec une maille en l'air et ce que je vais faire, c'est des mailles coulées. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va prendre des marqueurs. Donc, j'ai mes marqueurs. Je vais en prendre 4. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure, en aplatissant bien le travail, donc voilà, il est droit. Vous êtes d'accord avec moi? Là, vous voyez sur le côté, il reste une maille. Voilà, juste une. Je laisse mon crochet planté dedans et je compte 1, 2, 3. Hop, ici, je mets un marqueur. J'ai exactement pareil de l'autre côté. 1, 2, 3. Hop, ici, je viens mettre un marqueur. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, 1, 2, 3. Donc, ça, c'était la maille du bord. 1, 2, 3. Ici, je viens mettre un autre marqueur. Et je fais pareil juste ici. J'ai la maille 1, 2, 3. Hop, je viens mettre un marqueur. Ici. J'ai mes séparations. Maintenant, ce que je vais faire pour le dos, c'est venir avancer en maille coulée jusqu'à mon premier marqueur. Je viens piquer là où il y a le marqueur et je fais une dernière maille coulée. Maintenant, je vais monter avec 3 mailles en l'air et je vais venir faire des brides jusqu'au marqueur suivant. Pardon. Donc j'arrive à mon marqueur et je viens faire une bride à cet endroit. Je peux les enlever. Parce que de toute façon, on ne va pas crocheter plus loin. Donc, impossible de se tromper. Maintenant, ce que je vais faire, je vous les détache. Voilà. 1, 2, 3. 3 rangs de diminution. Vous voyez, on a 1, 2, 3 rangs. Donc, je vais faire 3 rangs en diminuant une maille au début et une maille à la fin de mon bord.
J'avance. Jusqu'à la fin, je ferai une diminution sur les deux, sur la dernière bride. Là, vous voyez, il me reste deux brides. Donc, j'en prends une. Je la commence sans la finir et ensuite, je finis avec la deuxième. Maintenant, ce que je vais faire, c'est répéter exactement la même chose. Je refais une diminution au début. Et je finis pas mes deux dernières mailles. Donc les diminutions, c'est pas trop mon point fort, hein, comme vous pouvez le voir. Mais pas du tout. Moi, je procède de cette façon. Après, c'est chacun sa méthode. Donc, pour le dernier rang, je monte avec 3 mailles en l'air. Et je fais mon dernier rang. Donc j'ai fini, je tire mon fil, je coupe et je vais cacher mes fils. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Donc c'est pas, je m'exprime peut-être mal, c'est pas des diminutions, on essaie juste de former un petit arrondi. Hop, voilà, comme ceci. Maintenant, ce que l'on va faire, donc, c'est venir cacher ce fil-là, mais aussi reprendre nos mailles juste ici. Je reprends mon fil. Je monte avec 3 mailles en l'air, je fais mon petit nœud. Et je vais venir faire exactement la même chose de ce côté-ci, mais à la place de faire 3 rangs, vous voyez, 1, 2, 3, enfin 4, je veux dire. À la place de faire 4 rangs, je vais venir en faire 5 ou 6, pour pouvoir, vous voyez, passer par-dessus et attacher comme ceci. Donc voilà, je vous laisse faire la suite. Et maintenant, on va s'attaquer à la partie de la jupe. Donc, pour celles qui ont souhaité le faire, hop là, normalement, donc vous avez dû écouter mes explications et monter votre jupe. Dans ce cas, c'est parfait. Pour toutes celles qui, comme moi, ont voulu faire la partie du body, je vais venir attraper mon fil dans un coin, n'importe où, hein, et je vais venir faire des brides tout le tour. Donc, je fais mon nœud, je coince mon fil. Moi, c'est toujours un exemple pour vous montrer, hein. Et je vais venir faire des brides tout le tour. Mais là, vous voyez, j'ai ma première bride en relief.
j'ai coincé mon fil dans une bride en relief. Maintenant, ce que je vais faire, c'est deux brides individuelles. Vous voyez comme ceci, deux brides individuelles, la troisième en relief par devant. Deux brides individuelles, la troisième en relief par devant. Deux brides. La troisième en relief. Voilà ce que vous allez répéter tout le rang. Une, deux brides, la troisième en relief. Un petit peu loin pour celle-ci. Jusqu'à venir unir, vous voyez, à la troisième maille en l'air de départ. Donc, je vous laisse faire tout le tour ainsi, vous voyez, je vais continuer un petit peu avec vous. Une, deux, la troisième en relief. Comme ça, vous allez voir en même temps, c'est parce que là, c'était pour les personnes qui font juste la robe, vous voyez. Mais pour les personnes qui, comme moi, ont le body, vous allez vous retrouver avec le tissu en dessous. Donc, c'est pas compliqué, vous continuez normalement, vous voyez. Là, une. Deux. Comme ceci. Et la troisième en relief. Une. Vous voyez comme ça, deux, et je prends, bien vous faire montrer, j'y mets deux, une, deux, la troisième, je la prends en relief. Sinon, si vous voulez, le premier rang, vous pouvez toutes les faire en relief, si vraiment c'est plus facile pour vous, et que vous trouvez ça plus joli ou moins embêtant, il n'y a pas de, problème. Donc, je finis. Donc voilà, j'ai fini mon rang. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est répéter le motif et en faisant quelques augmentations. Donc là, on va refaire exactement un rang pareil. Deux brides normales, une en relief, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo. Ensuite, vous allez faire 3. Ensuite, 4. Et à 4, vous vous arrêtez. Plus d'augmentation, vous voyez? Et arrivé à 4, donc regardez, 1, 2, 3, 4, j'ai commencé ici, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rangs avec 4 brides au milieu. Ensuite, vous allez faire
3 à 4 ans de demi-bride. Donc vous savez, vous montez avec deux mailles en l'air, vous piquez et vous passez à travers les trois boucles. Voilà, comme ceci. Vous allez faire 3-4 rangs de blanc comme ceci. Ensuite, ce que l'on va faire, je vais vous montrer comment réaliser les manches. Donc on se retrouve tout de suite pour les manches. Donc voilà, nous allons réaliser les manches de la petite tenue. Donc c'est pas compliqué. Vous venez piquer, vous voyez. Là, ça fait une, deux, trois. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien avec le rouge, c'est pas évident. Là, ça fait trois mailles en l'air. Donc je viens piquer en haut sur la bride précédente. Je fais mon nœud et je monte avec trois mailles en l'air. Et bien là, vous allez faire. Vous voyez, on est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce qui représente à peu près 15-16 cm, entre 14 et 16 cm, suivant la laine et la taille que vous réalisez. Deux manches et ensuite vous allez refaire 2 à 3 rangs de bride ou demi-bride en blanc. Donc voilà, je fais mes brides tout le tour. Alors j'espère que la vidéo va vous plaire. J'essaie vraiment de vous expliquer au mieux que je peux. Pour pas la refaire en entière, c'était vraiment pour vous mettre le tuto assez rapidement et pour pouvoir passer à une autre création. Mais maintenant, si vraiment vous voyez que j'ai mal expliqué, allez-y, pardon. N'hésitez pas à aller voir sur mon groupe Facebook Les Aiguilles d'Émilie où je vais vraiment vous écrire toutes les étapes. Et voilà, ça sera, y a pas de souci quoi. Donc je fais tout mon tour en bride jusqu'à arriver à mes trois mailles en l'air de départ. J'ai un petit peu la voix enrouée, c'est pour ça que j'essaye de pas trop m'attarder sur la vidéo pour pas me retrouver bloquée sans voix et ne pas pouvoir la finir en fait. Donc voilà, j'ai fini, vous voyez. Maintenant, ce que je vais faire, ça, je vais le laisser, c'est pas très grave, parce que ça ne va pas se voir après. Et je mets trois mailles en l'air de départ, hop, je viens piquer dans la troisième, et j'unis par une maille coulée. Ce que je vous explique, regardez, c'est que là, bah, ça change pas, ça fait comme s'il n'y avait rien. Donc si ça vous gêne, après, vous pouvez faire une petite couture, mais en vrai, avec le body en dessous du bébé... Mais vraiment, c'est on ne voit pas du tout, on n'y fait pas attention quoi. Parce qu'on a tous nos trous entre nos brides. Enfin, moi, pour moi, ça ne me gêne pas. Non, rien du tout. Maintenant, si ça vous gêne, bah voilà, un petit point de couture ou alors une bride au milieu. Mais après, j'avais peur que ça fasse plus et de devoir faire une diminution. Ben voilà. Donc voilà ce que vous allez répéter sur 10 rangs. Et ensuite, vous allez faire 3 rangs de demi-bride. Ensuite. Moi, ce que j'ai fait, vous voyez, pour que ça fasse un petit peu plus propre et puis pour pouvoir mettre des boutons, bon, j'ai juste mis une pression sur celui-ci. Ici, derrière, je suis venue piquer sur le haut d'une couture, donc sur le haut d'une bride, et j'ai fait un rang de mailles serrées. Alors, je ne suis pas descendue jusqu'en bas. Vous voyez, arrivé là. Je suis passée directement de l'autre côté et je suis remontée pour pas que ça fasse un gros pli. Et encore, vous voyez, même en passant, en n'allant pas jusqu'en bas, c'est un petit peu gênant, je trouve. J'aime pas trop. Donc voilà. Moi, j'ai mis une pression et en dessous, j'ai mis deux petits boutons. Voilà, c'était juste pour vous montrer parce qu'en fait, je vais mettre des pressions après. Mais c'est vous qui voyez. Si vous voulez des pressions, vous mettez des pressions. Si vous voulez des boutons, dans la box. Où je vais mettre le matériel nécessaire, je vais inclure trois boutons. À vous de me dire si vous les voulez rouge, blanc ou noir, il n'y a pas de souci, je vous mets la couleur que vous souhaitez.
Donc maintenant, comme je l'ai expliqué, pour une taille 3 mois, celui-ci, je pense qu'il convient parfaitement. Si vous voulez une taille naissance 1 mois, moi, je vous conseille un crochet en 3, plus 3,5. Vraiment 3,5, je pense que ce sera l'idéal. Si vous voulez plus grand, 4, 4,5, mais en mettant plus de mailles. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir en bas, dans les commentaires, dans la description, pardon, et sur mon groupe Facebook. Et je vais vous mettre toutes les tailles jusqu'aux 2 à 3 ans. Après, ce sera à vous de faire un petit peu plus long ici, vous voyez, pour les manches. Au lieu de 8, suivant la taille que vous allez faire, pour entre 1 an et 3 ans, moi je pense que vous pouvez monter jusqu'à 10, 14 pour l'emmanchure. Et le mieux, c'est de vérifier petit à petit sur l'enfant, si vous le pouvez, et arriver à la bonne hauteur par rapport à un pull, un gilet ou quoi que ce soit. Vérifier et ensuite, pareil pour la longueur. Donc voilà. Ensuite, pour un bébé, eh ben, ce que je peux vous conseiller, parce que dans la box, vous allez avoir le rouge nécessaire, mais le jaune, le blanc et le noir, il va vous en rester beaucoup. Moi, ce que je voulais vous proposer dans une autre vidéo, ou éventuellement vous, c'est de réaliser un bonnet et des petites bottes qui vont avec. Alors, pourquoi pas les petites bottes en noir avec un petit peu de blanc et un petit crochet, vous voyez, jaune, sur le côté. Et le chapeau, eh ben, écoutez, s'il vous reste assez de rouge. Dans ces cas-là, je peux en inclure une de plus. Vous me laissez un petit commentaire. J'en inclus une de plus. Et le mieux, c'est de faire un bonnet en point élastique blanc. Et pourquoi pas monter le bonnet et faire un pompon noir au bout ou blanc ou etc. Donc voilà. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est le petit anneau. Vous voyez, il n'est vraiment pas compliqué du tout. Vous allez voir. Vous prenez la laine jaune. Et vous allez monter avec 32 mailles en l'air. Donc, je fais mon nœud coulant. Et je monte avec 32 mailles en l'air. J'ai mes 32 mailles en l'air. Maintenant, ce que je vais faire, c'est monter avec 2, 3 mailles en l'air, pardon. Et je vais venir piquer 1, 2, 3, 4 dans la cinquième. Et je vais faire 8 brides. Donc là, j'en ai déjà 3, 4, vous voyez. Cinq, six, sept, et dans la huitième, je fais une bride et une autre pour former l'angle. Et ça, je vais le répéter encore 3 fois. Je refais cette bride. Vous voyez, ça va former ça. Et dans la huitième, je viens refaire une augmentation. Je recommence cette bride. Dans la huitième, une augmentation et je finis avec mes 8 brides normales. Mon augmentation et je finis avec mes brides individuelles.
Je tire mon fil. Comme ceci. Je viens couper. Ensuite, je prends mon aiguille à laine. Et je vais unir les deux parties. Donc je vais cacher mes fils après, mais c'est pour vous montrer. Je vais venir unir en haut de l'autre partie. Ensuite, il ne me restera plus qu'à coudre les deux ensemble. Hop, j'ai fait mon nœud en même temps. Donc voilà ce qu'on obtient à peu près. Après, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai passé mes fils à travers et j'ai cousu tout le long. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que cela va vous plaire. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cela vous a plu. N'hésitez pas à retrouver la box et quelques... Voilà, j'ai pas beaucoup, comme je vous l'ai dit, dans ma boutique en ligne, mais n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Vous trouverez des crochets, des petits ciseaux chats, des crochets, voilà, avec une petite poignée et des aiguilles de couleur. Donc je vous montre quelques exemples, vous voyez, il y en a des rouges, des bleus, des violettes. Donc voilà, surtout je vous souhaite un agréable tuto, une très bonne journée et à très bientôt.